Bonjour YouTube! Oui, je spamme les vidéos en ce moment. C'est vrai que je sors une fois par jour. Mais là, c'est parce que la série avance. Mais je disais au chat que j'ai appris un truc chiant. Le chat ne le sait pas encore, mais c'est chiant. Et ça explique beaucoup de choses et aussi beaucoup pourquoi je me fais défoncer le cul en fait. Infinite Fusion est mal branlé. J'ai remarqué un truc dans le dernier live. On avait découvert le fait que, bon, bah, ça me permettait d'aller plus vite sans passer par les super bonbons. J'avais la possibilité d'activer le debug mode. Et donc, du coup, je pouvais set le level d'un Pokémon. Ça me permettait donc d'éviter de foutre un milliard de rares candy. Salut Ziller. Coucou Vol, j'espère que tout va bien. C'est toujours aussi beau. Merci. Du coup, ça nous permettait de mettre le niveau du Pokémon que l'on voulait sans avoir à utiliser les super bonbons. Ça, c'est cool. Mais du coup, avec ça, bah du coup, je suis allé un peu bidouiller partout. Notamment, dans les trucs là. Voilà. Dans les EV, dans les IV. Et ils sont à zéro. Et vous allez me dire, c'est vrai que c'est curieux. Pourquoi sont-ils à zéro? Parce qu'on a fait des matchs Pokémon, ils ne devraient pas être à zéro. Il devrait... Bon, j'entends, il ne devrait pas être à 50, 100, 255 dans toutes les stats. J'entends. Mais après tous les combats qu'on se tape depuis un moment, on devrait au moins en avoir une trentaine dans les statistiques. Pour au moins... Et en fait, j'ai compris. Est-ce que vous voulez voir la couillasse? Bon, c'est un peu long à montrer, donc je vais vous le dire direct. Défusionner un Pokémon enlève les EV. Donc à chaque fois qu'on défusionne et qu'on refusionne pour tester des fusions, ça baise les EV. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, et ça depuis le début de la série, à chaque fois qu'on fait un match contre un champion, on a 0 EV. Et eux, croyez-moi qu'ils en ont. Donc en fait, je suis en train de me mettre des bâtons dans les roues comme ça depuis le début et c'est un peu relou. Donc, ce que je vous propose, parce que, évidemment, à chaque fois que l'on fusionne un Pokémon, vous vous doutez bien qu'on va pas aller se taper 70 000 ratata pour aller augmenter la vitesse de notre Pokémon, hein. Quand bien même, ça serait stylé, affronter 74 000 Geodude pour augmenter notre défense, c'est pas le content qu'on a envie de montrer. Donc, à partir de maintenant, je pourrais set les EV de mes Pokémon. Ça y est, on a assez galéré pendant 7 badges, au bout d'un moment, faut avancer. Et en fait, mais je comprends mieux pourquoi mes Pokémon prenaient autant de dégâts, en fait. Ouais. En fait, j'étais en hardcore Nuzlocke plus. Parce que les mecs, ils ont des objets. J'avais pas les bons level cap et j'avais pas de V. En fait, et les IV. Ah bah non, les IV, ça par contre, c'est pas changé. C'est. Bah, c'est intrinsèque au Poké. Ah ouais, mais attends, mais du coup, est-ce que c'est fusionné? Comment c'est. Attends, mais j'avoue, bonne question. J'ai pas check les IV. Ok. Bon, ils en ont pas zéro parce que en fait. Je pense que les IV, c'est juste un mix des IV des deux Pokémon qui sont ensemble. Alors, je vous le dis, pourquoi je laisse pousser la moustache? Je vous le dis honnêtement, ça y est, maintenant je peux vous en parler. C'est parce qu'en fait, je tourne dans Pirates des Caraïbes 6 et je suis... Pas du tout, je sais pas ce que je suis en train d'inventer comme... Bref, allez, on va chasser un Shiny dans la Pokémon Mansion. Bonjour. Oh, c'est Slashou! C'est Slashou! Oh, il est mignon! One eternity later. Ah, c'est vrai que ça lague un peu quand même! C'est vrai que ça commence à laguer un peu quand même! Ça se trouve, le manoir est Shiny Lock. Mais qui devient fou, ça y est. Je commence à m'inventer des trucs. Par pitié, viens, on te... On te soigne et tu finis cette quête de mort avec des hommes en noir. Ah mais moi je demande que ça, hein. Mais à chaque fois je vous ai dit, hein. Moi si vous voulez me spoiler sur la quête, je m'en branle, allez-y. Hein. Bon, vous voulez plus qu'il y ait les hommes en noir? Ouais, dites-moi, je dois aller où là? Ça au moins on fait autre chose dans ce live là. T'en as trouvé 10 en 500 rencontres, faut rattraper là. Ils font chier les nains, le vrai Shiny c'est les amis qu'on se fait en chemin. Va à la maison à droite reculée de Parmani.
La maison à droite reculée. Ah oh, putain, du coup, faut que je short. Oh non, on va pas recommencer! J'ai arraché le micro. Je vais soigner mon Pokémon, j'ai peur. Oh fuck. My bad, je me suis trompé, la plume est dans la ville au nord de Azuria. Quoi? Vraiment? Oh non. J'ai dit oui. What? Attends, je sais. Non, attends, je. Jolku? Oh, c'est un Pokémon donné? Tout, trop bien, attendez ce qui est. Oh, il est stylé, on l'a dingue! Voilà, c'est bon, j'ai fait une réaction de fou. Il est bon, Shiny, par contre. Il est super bon, Shiny, par contre. Du coup, c'est quel. Ah, c'est la Billy Lighthouse. C'est même pas la zone de là, en fait. C'est une dinguerie, ça, par contre. Bon, allez où cette plume de con de merde? J'en peux plus moi, attends, est-ce qu'elle est là-bas là? Putain, je l'ai first try. Attends, ça fait 2 heures on chasse, on n'a pas de shiny, j'en peux plus moi. Pourquoi ça bug comme ça là? Pourquoi ça lag, route 23? Oh fuck. Je suis où là? J'ai... Mais toi, tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? Oh, trop drôle! Ours avec Stanfix, ça fait le... Ok, j'aime bien. J'aime bien la ref. Vous avez la ref? Ref à Pokémon Go? Quoi? Ah, le Valor Instinct, machin? Ouais, j'y ai pensé. Attends, mais c'est une zone, là, aussi? Du coup, attends. Mais je suis où là? Attends, je comprends plus. Crimson City. Mais il y a une ville en haut! Mais comment ça, mon ref? Ah, ça c'est moche ça. Par contre, ça lag. Attendez, je vais sauvegarder parce que quand ça lag comme ça là, ça me saoule. Il faut que je relance le jeu. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait une ville en haut. Parce que même quand on a joué avec Steph, on l'avait jamais vu ce truc. C'est une ville ajoutée. Putain, mais attends, mais c'est exceptionnel, j'avais jamais fait gaffe. Ah merde, faut que je me remette en debug mode. Quand je cherchais sur le wiki, il y avait souvent écrit Crimson City, je savais pas ce que c'était. Mais elle est où cette plume de merde? Crimson City. Après la cité, tu as kiffé. Quelle c'était? Merde. Tu peux mourir s'il te plaît, tu vas mourir avec Dragon Ball, so oui, Falcora. Allez.
Quel c'était? De quoi qu'il me parle? Ah! Oh fuck, comment on y va? Aquajet. Ah, c'est pas mal. En effet. Je parle de l'autre. Quel autre? Et là, il y a une autre c'était là. Oh, c'est Gasly et Torchic. Ça fait une boule de feu. J'aime bien. Attends, mais moi, attendez. Je vais un peu visiter en bas là, parce que... Ah! Ok, pas mal. Hop, Leaky. Hop, Leaky. Alors du coup, la plume, elle doit forcément être dans la ville, en fait. Mais il y a tellement de nouvelles zones. C'était atterrissage avant. Ah, tu m'étonnes. Par contre, c'est la musique de la ville dans la 5G. La 8ème arène. Putain, mais où est-ce que j'ai débarqué? J'ai pas mon pote, hein. Ouais, Janusia, ouais. T'as pas raté un œuf. Mais les œufs me servent à rien. Oh, Outrage! Ok, bon, bah pour l'instant, non, mais. C'est une ville draconique. Ouais, possible, ouais. Shelbel ? Attends, c'est ce que je pense, là ? Normalement sur le gros lococ, là ? Oh, trop bien. Putain, mais attendez, mais là, je m'attendais pas du tout à avoir une nouvelle ville, là. Yo, les gars, salut, vous avez pas entendu parler d'une petite plume pour une quête pour éviter que des esprits frappeurs démoniaques envahissent ma vie? Hello, dear child, you wouldn't have been doing my mind. Défait Janet and her high level Bilesprout une battle. Bien sûr que oui, mais qu'est-ce que tu me fais avec ton chétif lore de merde? Ah 45, ouais, c'est nul, ouais. Ouais, casse-toi. Ouais. Oui, d'accord, allez. Pas simple. Niveau 100, je suis peut-être un peu mort. Yes. Oh, il apprend synthèse. Oh, c'est cool, ça. Oh, par contre, j'en ai marre, là. J'en ai marre de les voir, là. Les hommes en noir, là. J'en peux plus, là. Du coup, il n'y a pas de sang de poké? I don't understand. Bon, heureusement, j'ai le debug mode, hein. Genre, le mec, c'est... Ouf. No need sans de Pokémon, bah, vous savez, hein. Par contre, du coup, c'est là... Attends, mais là, faut qu'on me dise. Elle est bien là, la plume, ou pas, là? Parce que là, ça me saoulait, là. Ah. Oh. The final feather lies back in the refuge for orphaned Pokémon. Refuge pour les Pokémon orphelins?
lol, la beauty capsule. Ouais, ça va pas trop me servir en vrai. Ouais, c'est l'avant-ville, je pense aussi. Mais attendez, je vais quand même visiter, finir de visiter cette ville là. Voir s'il y a pas des choses à trouver là. Ah, c'est bien. Bon, y a pas grand chose de plus dans cette ville, quoi. Disons que c'est une zone, quoi. Voilà, c'est une zone en plus, quoi. Bon, moi, je veux arrêter de me faire posséder par des démons. Donc, l'avant-ville. En vrai, tout a commencé à l'avant-ville. Il est naturel que tout finisse à l'avant-ville. Ça, bah, c'est pas justement ici. Ah. Musique d'écrit. Oh là, oulala, oulala, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Hello, child. You have done my biting well. Oui. C'était bien. C'était super cool. J'ai bien aimé le petit jeu, moi. And me the feather that you have collected for me. C'est très agressif. Non. Non, 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 non. Ah. J'ai pas le choix, apparemment. Human, I've taken residence. Protecting the dream. I will finally be able to judge them away from what is right for mine. Ok, mec. Oh. Oh, le frérot. Child, I must return to New Moon Island. Come join me in the darkness. Il n'est pas trop tard. La lumière de la full moon. Putain, il se passe quoi là? Je capture qui là? En plus, ils sont même pas fusion, donc ça sert à rien. J'ai compris. Ah, mais venez, on capture les deux et on les fait fusionner.
On fusionne Darkrai et Cresselia. Salut mec. Alors, ça se passe? I knew that you would follow me. I can see that your soul is as dark as the night. C'est vrai que mon âme est aussi noire que l'obscurité. C'est moi, c'est tout moi ça. Go, mais faut en reset un shiny. Mais attendez, est-ce que je peux du coup avoir l'autre? Là, j'ai les deux, là. Corrupted Feather and Lunar Feather. Ah! Attendez, parce que là, je comprends pas tout comment ça va se cheminer, là, cette histoire, là. Putain, mais j'en peux plus, laissez-moi tranquille. Hein? Mais... quoi? What the... Je suis fusionné avec un Magikarp? Oui, mais alors, ça va. Vous vous rendez pas compte comment c'est trop du... Ah. Oh, j'ai compris. C'est très dur à se déplacer. Attendez, c'est très dur à se déplacer. J'ai compris. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, il faut pas prendre les raccourcis. Voilà, il faut faire ça. Il faut jumper en fait. Il faut pas essayer de contourner. Il faut arriver à jumper. Ok. Ah oui, il traverse lui. Ah ouais, quel bâtard. Et c'est ultra dur de se déplacer, je vous le dis. Hein. Ah! Putain, mais j'en peux plus, laisse-moi tranquille, toi. Ah
Ah mais on peut pas Hein? Ah c'est un Pokémon donné. Oh mais non c'est trop chiant de reset du coup les gars. Regizing? Regigiga c'est Weezing? Vous pensez? Ok mais je recommande ici moi. What have you done? The realm of dreams is... Ah désolé, je savais pas. Oh ta gueule. Hein? Ah! Je savais pas, je te jure. C'est bon, les hommes en noir vont arrêter de me suivre? D'accord. Bon, découvrons qui est ce Pokémon. Wouah! Ah bah le voilà notre Pokémon Explosion! En plus, sacré Pokémon Explosion, hein. Bon, pour des raisons évidentes, vu que c'est un Pokémon donné... Fermez les yeux. Oh putain, mais lui aussi il est shiny. Putain, les deux qu'on nous a donnés sont shiny, la chance. Ah, oh, il est trop beau par contre. Ok. Attends, mais il doit être tellement pété. Lévitation, normal, poison. Mais attends, mais j'ai pas envie qu'il meure moi. Ah ça c'est moche close hein. Smogogo plus ce truc, je pense qu'il y a rien. C'est impossible qu'il y ait une fusion de ce machin. Mais quoi? Vraiment un truc. Après poison électrique avec lévitation, il y a un monde où c'est stylé. Oh hey, yes, ça y est. Wouah, d'accord. Tarantula Gaspagada. Oh, lévitation par contre. Non mais gros, c'est un film d'horreur là. Oh, c'est un film d'horreur là. Poison électrique, lévitation. Mais quel enfer, c'est une araignée de gaz qui vole. Oh, c'est bizarre, mais ça la coupe. C'est bizarre, mais pourquoi pas? Hey, il a des jambes musclées. Hein. Voir le reverse. Oh, il est stylé le reverse. Il est beau le reverse. Ah, il est pas mal le reverse en vrai. Ah, j'aime bien. Bon, on va l'unfuse pour voir pour l'instant. Et après, on verra. Sachant qu'il nous faut un Pokémon pour battre le Sulfura Electro Articodin de Giovanni. Et que concrètement, bah, Smogogo est le meilleur dans ce calibre-là. Donc, je pense que Smogogo Krabos peut être un bon suicide pour ce Poké. Je pense que ça peut être pas déconnant. Oh, waouh! What the fuck?
Oh, il est incroyable. Il est incroyable. Oh, il est fou. Quoi? Mais il est trop bien. Ah mais éboulement j'ai pas. Poison. Non mais il est au poison lévitation. En fait ça me fait chier parce que Smogogo, c'est un bête de Pokémon à fusionner hein. Smogogo c'est un bête de Pokémon à fusionner. Genre il est type poison avec lévitation les gars. J'ai même pas envie de le virer tu vois tellement il est cool. C'est dommage de le perdre ouais je suis d'accord avec vous hein. Gros drift, ça apprend explosion. Ah, c'est vrai. Ça, c'est moins beau pour le coup. Là. Moi, je suis moins fan. Mais c'est vrai que gros drift, ça apprend explosion. Non, par contre, le reverse, il est trop cool. Non, mais j'avais complètement oublié gros drift. Ouais. Non, mais lui, il est trop trop bien. Je suis désolé. J'adore le poké. Du coup, gros drift avec quoi? Avec un crabe? Ah, mais on n'a pas de fusion gros drift crabe. Ah, il n'y a pas de fusion gros drift crabe. Après, si c'est pour un suicide, en soi. Genre, ça c'est un bon Pokémon qui a la gueule d'un Pokémon suicide. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça, ça c'est un bon Pokémon qui va se faire exploser quoi. Voilà, genre voilà, ça, allez, on le garde de côté. Lui, c'est Michel suicide. C'est Michel mort. Par contre, il faut vraiment, faudra le mettre genre full défense P ou un truc comme ça pour pas mourir sur le Elector, je pense. C'est ça qui me fait un peu peur. Ou genre, en gros, faudra le mettre peut-être full speed et tout. Faudra faire attention, tu vois. Mais voilà. Voilà, ça, c'est un truc. Voilà, ça, c'est... Il va mourir, lui. Ensuite, quelles sont nos prochaines cibles? Bah, écoutez, moi, j'aime bien. Lui, j'aime bien... Alors, attends, faut un truc avec Pharamp. Pharamp plus l'araignée. Ou l'araignée plus Nostanfer. Oh... Retenez bien la leçon, si t'es moche, t'es bon à te sacrifier pour Volt et les... Ah bah le beauty privilège, hein, bah évidemment, oui, ça c'est... Moi, ouais, je suis pas fan. Ah, Bug Flying, c'est vraiment pas un bon type. Hein. Après, en termes de vitesse, il doit être exceptionnel, lui. 106 au niveau 37, tu m'étonnes. Test régie avec le croco. On a déjà vu, y a pas... On a déjà vu, il n'y a pas. Ouais, tant que le freeze dry plus Elector. Ah, il a freeze dry. Ah, c'est chiant en effet. On est sûr de ça? Il a freeze dry? Bah, faudra mettre full vitesse, full HP quoi. Régie Crobat. Pas sûr que ça donne un truc de ouf, mais. Oh. Wouah! Régibat! Oh, il est bien! Wouah, il est rapide, puissant! Oh! Et en vrai, il est pas mal, hein. Il a la vitesse de Nostanfer et la puissance de Regigigas. Franchement, en termes de puissance, il est pas mal, hein. Il a 45 pas de V, déjà 130 et 125, c'est déjà exceptionnel. Attendez, je suis curieux d'un truc. Je veux voir en full EV, niveau 51, enfin niveau 54, combien il est là. Juste pour qu'on se rende compte. Juste pour qu'on se rende compte. C'est pas n'importe qui là hein.
Oh la puissance du Poku. Et sans les IV. Ah ouais, attends, c'est quoi les IV qu'il a? On va pas y toucher, mais c'est quoi les IV qu'il a? Ça va pas changer grand chose, mais. Ah quand même, hein. Ah quand. Oh, Rijitika, s'il devait avoir des IV de fou furieux. Ah quand même. Oh le bouquet de fou. Non mais c'est frère, c'est bon frère, je le garde, c'est lui, il est trop fort, il a tout. Ah ça y est. Ah je me souviens de ça. Ah bah ça y est, on y est. Bon, j'espère que le plan contre Giovanni va réussir, mesdames et messieurs. Parce que là, on risque de se faire foudroyer avec ça, sinon. Plante, sol... Oh, bon. Oh, Rotom et Wobbuffet... Spectre, Psyelec, Cradock. Donc il est pas plante, donc il est poison roche. C'est maintenant. C'est maintenant, mesdames et messieurs. Drifleur, regardez-le. Regardez-le, c'est son moment. C'est son moment, mesdames et messieurs. C'est maintenant qu'il va exploser. Il n'aura vécu que pour ce moment. Ah. My bad. Il en reste un. N'affronte pas Giovanni avant. Je crois que c'est après. C'est quoi ça? Mamie. Mamie, qu'est-ce que tu fais? Attends. Machamp et Starmie, donc le psy, donc knock-off. Ah, mais les combats psy. Ah, ah, dis-y, hein. Ok. Wow, alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, mais c'est magnifiquement mort. Heureusement que je suis rapide, hein. Putain. Roche normal. Ok. Oh, ok, ok, ok. Alors. Je les ai pas activés. Je peux le renommer, vous pensez? Ah, je peux pas le renommer? Non. Ah, c'est nickname. Kaboom! Allez, Kaboom. Je peux pas lui mettre un objet à Kaboom, là? Y'a pas un objet qui peut être sympa sur Kaboom? C'est ton moment, Kaboom. Sache que si tu ne réussis pas dans le plan, on est potentiellement dans la merde. Mais j'ai pas de scarf, j'ai pas de gemme normale, rien. Encore ? Attends, mais je sais pas si je peux l'esquiver. Ah non, je peux pas l'esquiver. Hein. Ah si. Kaboom! C'est ton moment, Kaboom! S'il se fait dépasser, qu'il se fait tuer. On est dans la merde.
Attends, on l'affronte en premier? Oh! Oh non! Ah non, c'est bon. Ok. Kaboom! Allez, Kaboom, t'es plus rapide, je crois en toi. Je crois en toi. Kaboom, tu es plus rapide. Ouais, Kaboom! Hein? Bon, on sait que... Attendez, c'est pas grave. On sait que 150, c'est plus fast. Donc, lui, il est plus fast, il fait 10 charges et c'est bon. Y'a que le zap qui résiste. Ok, on s'en fout. Et voilà. Kaboom! Merci à toi, Kaboom! C'est grâce à toi que tout ça a pu se produire. Oh, c'est grâce à Kaboom, hein. Tout ça, c'est grâce à, c'est grâce à lui, hein. C'est quoi ça? Ice Peak Power Plant K. Genre on peut affronter Sulfura genre. Ok. Ah pour les autres piaf. Ok. Bon bah écoutez les gars, on aura bien avancé. On va s'arrêter là. Écoutez, l'épopée de Kaboom, je pense que c'est grâce à lui qu'on en est arrivé là. On a battu Giovanni. Un live qui partait pas pour affronter Giovanni, hein. Un live qui partait pour juste faire un reset et blablater. Au final, on a quand même fait pas mal de choses. Donc ça fait plaisir. Écoutez, la rediffusion qui sera sur la chaîne replay dès demain midi normalement, si j'arrive à la faire demain midi. Et du coup, ben, suite de cette épopée, demain 18h, comme d'habitude, hein, le rendez-vous de la journée. Live plutôt demain? On est vendredi? Pas trop prévu normalement, mais à voir. Normalement, ce sera toujours dans le même délire, hein, vers 18h normalement, donc... Donc voilà. Allez, rendez-vous demain les gars pour la suite de cette épopée sur Infinite Fusion. Des bisous. Et ciao tout le monde.